Bonsoir, bonsoir. Très content d'être ici ce soir. Je m'appelle Jean-Sébastien. Et quand j'étais petit, ma mère m'aimait pas beaucoup. Sur quoi je me base pour dire ça? Outre le fait que sur toutes mes photos d'enfance, elle a écrit « Crève, salopard ». Non, je me base sur le fait que quand j'avais 7 ans, la veille de ma photo scolaire, elle m'a fait faire une permanente. Pour vrai, j'ai l'air de m'appeler Carmen, de fumer 3 paquets de cigarettes par jour, puis d'être le meilleur ami de la madame pas dedans qui fait des annonces pour la CAQ. Pourquoi une permanente, hein? Ben oui, pourquoi une permanente? La théorie de ma mère, parce que c'est pratique. Pratique pour me retrouver plus facilement dans le parking? T'assurer que je reste plus sot jusqu'à l'université? Non, non, quand tu sors de la piscine, c'est pratique, tu prends ta serviette, t'en passes dans tes cheveux, puis hop! Hop quoi, je ressemble à Marguerite Blège? Puis encore, on n'avait pas de piscine, je me baignais jamais, je ne savais pas nager. La preuve, la seule fois que je me suis baigné pendant mon été de permanente, je portais un flotteur. Ouais. Voyez-vous, j'ai même pas mouillé mes cheveux. Sinon, pour ma deuxième permanente, parce que oui, j'ai eu une deuxième permanente. Oui. À quel moment dans ma vie? Est-ce que c'est l'année suivante, en troisième année? Quatrième année, j'ai un sixième année ici, secondaire 3! Je vous jure, secondaire 3, ce que les humoristes appellent des études supérieures. Puis les coiffeurs, eux autres, hein? René et Jean-Guy, un couple d'homosexuels, pourquoi ils ont accepté de me faire ça? C'était des amis de la famille, ils me considéraient comme leur propre fils, ils venaient me chercher à l'école des fois. Bon, évidemment, ça faisait jaser les gens à l'école dans ce temps-là, hein, des homosexuels dans mon entourage. Il y a des gens qui me posaient des questions niaiseuses comme « Lequel de René et Jean-Guy fait la femme dans le couple? » Ta gueule, crise de conne, avec tes questions de conne, grosse conne. C'est Jean-Guy, évidemment. Bienvenue en 82. Pour vrai, moi, j'avais rien demandé. Hein? Je voulais pas ressembler à un mouton. À cette époque-là, tout ce que je voulais, c'était de ressembler à Marie-Soleil Touga. Ouais, je la trouvais tellement belle. Je voulais être Marie-Soleil Touga, en fait. Je voulais lui ressembler. Mais vous savez quoi? J'ai réussi à lui ressembler. Marie-Soleil Touga avec un gros rouleau, mais Marie-Soleil Touga quand même. Ouais. Ouais. Bon, dans les faits, évidemment, j'ai plus l'air d'une jeune activiste lesbienne de l'UQAM. Mais moi, je me trouvais magnifique comme ça. Je me souviens, je me disais, quand je vais rentrer à l'école demain, tout le monde va me dire, mais voyons donc, t'es donc ben beau, t'es donc ben chaud, t'es donc ben sexe. On peut-tu te sucer à la récré, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît? Juste un petit peu. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, malheureusement. J'ai été, avec cette tête-là, turbo-intimidée. Surtout le midi, à la cafétéria. Pour moi, je comprenais pas. J'étais tout le temps tranquille dans mon coin, tout seul. Je dérangeais personne, je mangeais mon petit yogourt silhouette. Je lisais mon livre « Ces femmes qui aiment trop ». Je recevais des sandwichs au ballonné en pleine face. Pré-mâché. Je me souviens, j'avais dit à ma mère, « Maman, je peux-tu savoir pourquoi on me lance du ballonné d'en face? » Elle me dit, « Ben, mon grand, on est dans un quartier ouvrier, c'est cher le jambon quand même. Hein? » Évidemment, ma mère m'a jamais dit ça parce que j'ai jamais abordé la question de l'intimidation avec elle. Il y a 2-3 ans, je racontais ce que j'étais un peu de vous raconter ce soir à la radio, puis elle me dit, « Ben, comment ça se fait que tu m'en avais pas parlé à l'époque? J'aurais été là pour t'entendre, pour te soutenir. » Ben, parce que j'avais honte.
Moi, tout ce que je voulais, c'est que ma mère m'imagine dans la cour de récréation comme un espèce de grand héros bouclé, heureux, fier, en train de se faire sucer. Juste un petit peu.